وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. De même que le khatib, le prédicateur, le prêcheur du Jumu'ah doit soit choisir un sujet et ne pas partir dans des ramifications à gauche et à droite sans début ni fin, sans logique, sans introduction, sans développement et sans conclusion. Il doit prendre un sujet et le traiter, ne serait-ce que apprendre un verset et l'expliquer, un hadith et l'expliquer, même si ce n'est pas en entier, pour que les gens partent avec un profit. D'où l'importance, barakallahu fikoum, de choisir où on fait le Jumu'ah. Jumu'ah, ce n'est pas juste pour se débarrasser. Des gens, ils vont chez n'importe qui s'asseoir. Ils vont même chez des innovateurs. Des gens qui donnent, transmettent, infiltrent des poisons dans les cœurs des gens. Mais ça ne le dérange pas. Il s'assoit dans son Jumu'ah, mais il ne sait pas qu'il met sa religion en danger, car peut-être, à force d'écouter 1, 2, 3, 4 poisons, si un seul de ces poisons, il atteint son cœur et qu'il s'égare et il s'éloigne du bon chemin, alors il aura perdu dans l'au-delà. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.